Yeah, je vais me raconter que je n'ai tenu pas de canaries sur la vidéo. Lorsque je vous dis donnez-moi l'âge des artistes qui ont montré que je vous présente un passe-ballon, oubliez littéralement ce que j'ai dit. C'était juste débile de mon côté, en fait. Donc, je vais pas vous demander de faire le jeu avec moi. Si vous voulez le faire, tant mieux, mais si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Il y a pas prêt à gagner, c'est juste que pour savoir, en fait, si vous connaissez passe-ballon. Tout le monde, vous connaissez. Oubliez ce que je vous ai dit en fait. Donc, je viens d'y repenser, puis c'était comme un peu weird. Ce que je... Normal en fait, parce qu'il était quand même 8h, puis à 8h, moi, j'ai dit un paquet de conneries, je suis fatigué. Donc, le montage en fait, c'est ça qui m'a un peu aidé à me concentrer, puis ça paraissait que ça n'avait pas d'allure. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez juste ce que j'ai dit sur le fait de devenir l'âge des artistes. Oubliez ça. Juste oublier ça, cet extrait-là va être en début de vidéo. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour avant. Guys, avant que la vidéo commence aussi, j'aimerais juste vous dire que les photos ne seront pas dans la vidéo. Vous pouvez les trouver sur Google. Donc, vous serez pas. Vous pouvez aller chercher sur Google. Donc, les photos ne seront pas dans la vidéo. Donc voilà. Donc bon visionnement. What's up? Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. La vidéo que vous allez voir présentement, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je sais pas. J'essaie aussi de sortir une vidéo à des rythmes assez réguliers vu que j'étais absent de partir de janvier jusqu'à mon comeback, qui a été, je pense, il y a un mois. Déjà un mois, déjà quasiment 2 mois que je suis revenu, que je fais ma vidéo comeback, que j'ai repris YouTube en main, que j'ai repris ma chaîne en main, que... Donc, que ma deuxième année est partie, donc... ça se peut que vous voyez des vidéos qui sortent comme ça, random, que je ne dis pas. Je pense que vous avez vu pas mal ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux nouveaux qui sont arrivés. Remarquez, les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, je pense, les deux derniers, en fait, donc je pense que les deux derniers. Quand... Quand j'ai pas arrêté YouTube, quand ça commençait à faire le bug, j'étais à 4 abonnés. Ça n'arrêtait pas de faire ça. Moi, je montais et je descendais. Non, en fait, j'étais pas à 4. Non, j'étais à 5 abonnés. J'étais curious un peu. Et lorsque j'ai publié ma vidéo où est-ce que je vous montrais ce que j'ai fait à New York en mars dernier, j'étais rendu à 4. Donc, il y avait personne qui, je pense, était tanné dans mon sens, donc je pense que la personne ça pas limite. Je me suis posé personne-là, sauf que pour moi, les études, ça passe en premier. Donc, là, je suis vraiment libre. Les examens d'initiative, ça peut avoir un méchant bout. Donc, je vais me rapprocher un peu de vous, hein, parce que parler sur un sofa, on n'entend pas. Disons, je vois mieux de là. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai arrêté YouTube, en fait, les nouveaux qui sont arrivés, en fait, vous allez voir, je vous allez voir mes vidéos qui datent de 1 an, voire presque 1 an, quand j'avais une vieille intro de pourri, du montage dégueulasse, en fait, que moi, je trouvais pas beau. Présentement, je trouve que le montage est tellement débile que, ben, écoute, ben, je continue avec ceux-là. Par ailleurs, ceux qui se demandent mon logiciel... Donc, pour ceux qui étaient là, en fait, depuis mes débuts, en fait, depuis 1 an, vous voyez que le montage c'est pas mal amélioré. Depuis mon retour, en fait, donc, pour ma deuxième année, j'ai décidé de tout rechanger, tout uploader, en fait, tout upgrade mes affaires, donc, tout le système de montage, donc, qui s'appelle Filmoraco. Par ailleurs, aussi, pour concernant aussi l'intro et l'outro, en fait, il y a eu des modifications sur ça, donc, vous pouvez revisionner les anciennes vidéos depuis mon comeback, vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, ben, c'est toujours la même. Toujours la même musique, toujours le même fond, sauf que j'ai rajouté des petits items. Sauf que les items que j'avais mis, je les ai rallongés. Donc, vous voyez un bouton qui marquait, mon tour qui marquait subscribe. Ben lui, il dure le plus longtemps, le maximum de temps, donc jusqu'à la fin de mon outro. Plus, il y a un petit laser qui vient en fait en haut, qui est en haut en fait. Donc, ouais. Et l'intro, je l'ai complètement changé. Parce que l'autre, je me tannais, je n'aimais pas. C'était tellement, pour moi, je pense que je voudrais... Mais en fait, c'est pas parce que je n'aimais pas l'intro, c'est que je commençais à avoir
En fait, oui, c'est ça, j'étais tanné de cette intro-là. Pour une intro, je m'attends très vite, mais celle-là, que j'ai en ce moment, que j'ai faite, que je viens de faire en ce moment même où on se parle, est juste malade. Moi, je la trouve vraiment débile. Par ailleurs, pour pas me faire avertir par YouTube en recevant un courriel, je vous mets en fait le lien, en fait, en fait, parce que je dirais des liens de copyright, donc des copies montées en fait, donc. Et en gros, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, mon outro, mon outro et mon intro, leur lien de l'artiste en question qui a composé la musique va être en lien en bas en description. Donc je n'aurai pas le choix finalement de faire ça. Fait que j'ai fait ça avec mon ancien outro, avec le truc que j'ai en ce moment et ça n'a rien fait. Donc je prendrai plus de chance. Le lien de l'intro en description et également de celle de l'outro. Donc, ben, je vous laisse regarder la nouvelle intro. Ça c'est fait. Oh, vous attendez, je vous ai regardé, mais je vous ai ignoré. Et voilà. Ok. Donc, vidéo que j'ai envie de faire depuis un sacré temps. Donc, oui, je suis une chaise noire que vous voyez ici. Non, je oui, j'étais là-bas lors d'une dernière vidéo, comme vous le savez, j'ai des bons Halloween. Hier c'était Halloween, donc ben si vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai faite hier, que j'ai posté hier, où est-ce que je pense que c'était Mama Missio. Donc aujourd'hui peut-être qu'il y aura une vidéo, je ne sais pas. Ça va dépendre de moi et de ce que je suis capable de faire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui postent des vidéos, plusieurs vidéos par jour. Donc, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Peut-être que je vais attendre avant de passer, mais au moment où vous voyez cette vidéo, ben. En fait, je vais vous dire pour la date, on est vendredi, le 1er novembre. Donc, hier c'était 31, donc c'était Halloween, donc j'ai passé ma vidéo. Bon, ma vidéo. Donc, vous pouvez toujours aller la voir. Ce que je disais sur ce sujet-là, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc c'est vraiment vrai. Mais c'est pas vraiment ça le sujet. Vidéo en fait aussi que je voulais vraiment faire en fait. En fait, il y a deux vidéos que je voulais faire, mais l'une d'elles datait de vraiment plus longtemps. Donc j'ai décidé de faire une autre de plus longtemps puis d'enchaîner par la suite. Il y a une vidéo, en fait, donc je suis un peu à l'affût un peu d'une vidéo qui va arriver. Restez là. Parce que cette vidéo-là va arriver. Puis ça, c'est une promesse que je vous fais. Je vais parler du transport en commun avec sûrement Alex. Je sais pas si j'aurai le temps de tourner des vidéos, voire peut-être pas du tout. On s'en fout royalement. Pour vrai. Sans joke, sans farce. On va s'en foutre complètement. Ça va juste être. Donc vidéo, ça fait déjà trop longtemps que je parle, j'aurais dit que je commence cette vidéo-là depuis un maudit bout. Vidéo que j'ai envie de faire depuis un sacré bout de temps, je pense. C'était une des premières vidéos que je voulais faire en 2019. Sauf que le bug est arrivé, donc ça m'a empêché constamment de le faire. Yay. Fini. Bon. C'est une youtubeuse québécoise en fait. Ma dernière idée de faire cette vidéo-là. Ben oui, je vais souvent le mentionner. Puis peut-être que vous la connaissez. Si vous la suivez, abonnez-vous, si vous la suivez, ben c'est bon. Si vous savez un peu de quoi je parle, de quoi je parlais. Donc, la vidéo, je pense que vous avez le titre, mes favoris de 2019. Qu'est-ce que ça implique? Donc, j'ai pris environ peut-être tout le temps qu'il me fallait. J'ai complété aujourd'hui, j'avais vraiment complètement oublié cette vidéo-là. Je l'avais noté sur un bloc, mais je ne me rappelais plus que j'avais fait cette liste-là. Là j'ai regardé que ben il y a des tabarouettes, il y a du monde que ben malheureusement qui ne sont plus sur cette liste-là en fait, donc ils ne le sont pas. Il y a environ, je vais faire ça en quatre catégories. Donc on va commencer directement avec la première catégorie qui est YouTube. Donc, en premier, on parle de Jack Leblanc.
Jack LeBlanc, j'ai découvert cette année, pas mal, je pense pendant l'été, en fait, donc juillet et près, donc là j'ai une petite super. Donc Jack LeBlanc, j'ai découvert cet été, en fait, à cause d'une vidéo qu'il avait faite avec une autre personne, en fait, donc je ne la mentionnerai pas parce que. Donc Jack LeBlanc, donc oui, ce gars-là, en fait, je le regarde. Je l'écoute, c'est une personne que. Il fait plusieurs vidéos, en fait, donc ça fait environ 8 ans, 7-8 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube. Déjà là, c'est débile, déjà, rendu à ce stade-là, c'est démentiel, c'est pas croyable comment qu'il est débile le gars. Pionné, des petits affaires, présentement, il est en couple, donc, évidemment, donc, ouais, donc. Ces vidéos sont tellement débiles, dans le où il fait des lives tous les jours en faisant qu'il essaie pour faire de l'argent, donc du bodybuilding, fait qu'il veut nous rendre, nous faire une meilleure qualité de ses vidéos en fait avec plusieurs nouveaux montages. Donc il est rendu maintenant, alors on se parle à 62 000 abonnés, donc c'est déjà énorme en fait en 7-8 ans, 62 000, c'est débile. Ça rime en plus, c'est pas prévu que je fasse cette blague-là. Cette blague-là, cette rime-là. Ce que je peux dire sur le plan aussi, c'est que, ben, il est unique. Écoute, c'est quelque chose que c'est rare. Parce que certaines personnes sur YouTube, en fait, vont. Donc, parce que ces personnes-là, en fait, les personnes dont je vous parle en ce moment sont des personnes qui vivent de leur passion. Donc, lui vit de sa passion. Donc, YouTube, c'est sa passion, c'est son métier. Donc, ce qu'il fait. Son métier, donc il n'y a pas de job comme je sais pas comme j'ai eu comme je suis tout pour moi, c'est juste un passe-temps. Même pour lui, c'est pas passe-temps, c'est plutôt son métier. Donc il fait des vues, vraiment il a beaucoup de vues, des vues que je pense que mes vidéos ne pourront peut-être même pas atteindre en une vidéo seulement. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à dire pour Jack LeBlanc. En deuxième, et là, là. Probablement peut-être les seuls que je regarde en ce moment même parce que leur contenu c'est débile, le contenu c'est divertissant. Wow. On s'en va, je vous emmène en Columbus, Ohio, donc évidemment la chaîne YouTube, donc de personnes YouTube que je pense, c'est Maddie and Elijah. Donc, oui, ils sont américains, plus précisément en Amérique, dans le Columbus, Ohio, donc, couple âgé de 20 ans, les deux. 1 million d'abonnés, juste insane. Leurs vidéos, en fait, font plus de 15 minutes, donc chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je la regarde. Je vous montrerai pas l'historique de mes vidéos, whatever. Ils font des pranks. Spring contre eux, c'est débile. En fait, ils font des vidéos réactions. Ce que je faisais par là, c'est par exemple, l'un d'eux va simuler quelque chose, en fait, qui a, exemple, mal de tête, mal de cœur, ou façon de mourir, pour voir la réaction de l'autre face à face à ça. C'est un nouveau concept arrivé, ces simulations-là, en fait. C'est un nouveau concept, en fait. Donc, exemple, il y a Pass Away, être sous. Être mort, forcément être mort, laisser une lettre de au revoir au copain ou au chum ou à la copine ou au copain en question. Donc, des réactions de même, en fait, donc pour savoir si un jour cela arriverait pour vrai, quelle sera leur réaction. Donc, mais des fois, la réaction face à ça, vu que les personnes les demain, les tueurs, prennent des idées, prennent des idées via YouTube, donc ils vont regarder une vidéo, vont savoir si ça va t'intéresser. Donc déjà partant, déjà, si t'as quelqu'un d'abonné à une chaîne YouTube et qui fait ce genre de pointe-là, puis toi, tu peux faire ça à ta copine ou ton copain, t'es dans la merde. Parce qu'il va savoir, ok, il y a une caméra qui part, il me fait un prank. Ou c'est une simulation, whatever. Ok, il va avoir une réaction, mais lui je fais. Donc ces youtubeurs-là, en fait, sont vraiment débiles parce que leur mise en scène sont vraiment débiles. Leurs vidéos en fait aussi sont vraiment débiles en fait. Donc allez les voir, Malin et Raja, donc vraiment débile en fait. Par contre, Malin et Raja, en fait, ne font pas partie de mes, je pense, abonnements 2019.
Fin 2019, en fait, je pense qu'ils font plus partie de ceux de 2018. Parce que quand j'ai créé mon compte, YouTube, ce fut une des premières chaînes dans laquelle je me suis abonné. Donc, ouais. Pour vrai. Donc, les bois m'allaient déjà. Donc, leur voix, leur chaîne, leurs vidéos, toutes les clés, c'est débile. C'est juste débile. Les vidéos vont. Comment ils font pour tourner ça? Comment ils trouvent le. Surtout, c'est que si vous voulez voir leurs vidéos, en fait, donc, ils ont fait un update, en fait, sur leur chaîne, ils en sortent le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Avant, ils en sortaient juste 2 par semaine, maintenant, ils en sortent 4 par semaine. Donc, allez les voir, ça vaut vraiment la peine. Ils en portent un troisième. Je pense que vous voyez malgré tout. Juste plus en bas, je suis rendu maintenant en haut. Laisse-moi juste. Ah, c'est bon. Donc, vidéo aussi que pour faire l'arrache debout. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Donc, avec la petite juste devant moi, j'ai Thibaut. On s'en va directement à en France, en Europe, évidemment. On part de. Thibaut Shape. Donc, oui. Orgy de 28 ans, ce youtubeur anglais, c'est un, oui, pour dire un peu, un youtubeur français qui est assez chez lui, dans son nom, c'est Thibaut InShape. Ses vidéos sont assez, comment dire, les deux humoristiques, qui fait des vidéos humoristiques genre. Il montre en fait, il partage son quotidien un peu. Mais les vidéos en fait que lui me marque le plus profond de moi, c'est débile ce qu'il fait, c'est des vidéos transformation ou des vidéos entrevues. Donc, ce que je parle en entrevue, c'est exemple, il va rencontrer des personnes avec des problèmes, soit un handicap, plus de handicap. Donc, dernièrement, il a rencontré une personne avec qui est unijambiste, donc elle a eu une jambe à cause d'un accident. Donc, il y a des problèmes culturels, comment elle s'en sort, comment elle vit face à son handicap, donc ils sont aveugles, ils sont avec des maladies, mais qui ne les empêchent pas de faire ce qu'ils font, ce que tout être humain normal font. Parce que je me considère normal, je me considère normal, on est tous différents, on est tous différents, on est tous un peu blessés, on va être un peu une message à sortir. Sur le côté transformation, c'est soit des personnes qui sont en surplus de poids, donc qui vont les forcer à en perdre pour atteindre un juste milieu, donc pour atteindre un poids qui est raisonnable, ou et il peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire faire prendre du poids et les transformer, donc comme j'ai dit tantôt. Donc une personne qui est très mince, anorexique, il pourrait les forcer à surveiller sa nourriture, il va lui donner un peu de nourriture ainsi, diète en sans passer qui ont des protéines, une protéine, des glucides, whatever. Tout ce qui est bon pour le corps humain. Donc, la personne prend ça et de fil en aiguille, la personne évolue, se transforme et il en fait une vidéo finale où ce qu'il raconte l'histoire et qu'il raconte en fait un peu le parcours de ces personnes-là. Ce que j'aime un peu de ce gars-là parce que avoir l'audace d'aller voir des personnes puis des encourager, c'est juste débile. Donc, allez voir sa chaîne. 5 millions d'abonnés, je vous le disais aussi un peu. Mais donc voilà, donc allez voir sa chaîne, c'est juste débile. On passe présentement à une autre personne qui, pour moi, je vous dirais avec dans YouTube, il y a 5 personnes. Je comprends bien. Oui, il y en a 5 que je vous dis. Donc il y a varié un peu parce que ça dépend de ce que j'ai connu, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, ce que j'aime en fait, donc ce que les musiques en fait on peut voir. Donc on commence à faire ça. Donc en quatrième on a excuse-moi, on va écouter. Voilà. On a My Star, donc qui était une personne en fait, qui est une personne en fait en particulier, qui est une chanteuse, plus précisément, fait que, même petite idée. Je sais pas si vous vous souvenez, d'environ 2 ans, lors de 2-3 ans maximum, en fait, la première apparition, la première édition de La Voix Junior. Cette personne est apparue. Donc, Mindstar est apparu sur
Davo Junior, il était dans l'équipe armée. C'est un autre qui est arrivé peut-être un an plus tard après la voix junior au Québec. Elle était auditionnée pour The Voice Kids en France. Même affaire, elle a auditionné, elle a passé, elle a fait le aveugle, elle a fait le coach, mais elle s'est rendue au duel. Elle s'est rendue jusqu'au duel. Pour elle, c'est une aventure débile. Donc, il y a près un an, voire quelques mois, elle a sorti un EP, donc un petit album, en fait, un petit album, donc, faut aller voir sur sa chaîne YouTube. 1000 abonnés, si je ne me trompe pas, là, on commence par, je crois, 1000 abonnés, si c'est plus ou moins. Allez voir sa chaîne, c'est débile, juste un petit commentaire pour savoir. Si vous la connaissez, peut-être que vous la reconnaître parce qu'elle a changé au fil des années. Mais quand j'ai su qu'il y avait une chaîne YouTube, je l'ai reconnue, j'ai fait une chanteuse qui ne lâche pas le chant. Donc on passe au dernier. La catégorie YouTube, évidemment, comme vous le rappelez, en premier lieu, j'ai mis Jack Leblanc. Maintenant, je mets... Oh, excusez, encore. Donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Alicia Bernier. Ok. Donc, si vous savez que c'est pas Alicia Bernier, elle est en couple, évidemment. Vous le savez avec qui? Peut-être. Peut-être que vous le savez avec qui, sinon allez voir cette vidéo, elle explique avec qui elle est. Je n'embarque pas dans leur sujet, dans leur vie privée, tout le kit. Alicia Bernier, en fait, pourquoi j'ai mis elle? Comme Jack, c'est une fille qui est unique, qu'elle vous, qu'elle... Comment dire? Je sais pas, je chante pas mes mots. C'est quelqu'un qui est unique, qui parle avec des émotions, donc elle peut faire des Q&A, des whatever, donc vous pouvez parler avec elle. Très rare qu'elle fait des lives sur son YouTube, sur son YouTube. 32 000 abonnés en fait, non même pas, ouais quasiment, non 39 000, excusez-moi, 39 000 et elle approche les 40 000. Peut-être au moment que la vidéo sort, elle sera rendue à 40 000 abonnés, donc juste si on voit, si ces personnes voient cette vidéo-là, bravo. Je vais faire les parce que je pense que j'ai des imprimés qui vont regarder ces vidéos-là aussi. Donc, pas mal comme Jack, ce que j'ai dit pour Alicia, unique, elle est... Ouverte, très ouverte en fait, donc elle aime ça avoir du plaisir, elle aime ça avoir du fun. Sure, c'est ça qu'elle ressent quand elle fait une vidéo, elle aime ça en faire une, elle aime ça nous divertir. Donc allez voir sa chaîne, regardez cette vidéo, puis peut-être nous apprendre un peu plus sur elle. Avez vu, nous sommes passés à artistes maintenant. Comme dans YouTube, j'en ai 5, donc on commence directement avec Dove Cameron. Donc pourquoi j'ai mis Dove Cameron? Parce que vu que tout le monde ne sait pas c'est qui, elle est la vidéo c'est qui, c'est une chanteuse et une actrice qui joue extrêmement bien, qui chante extrêmement bien sa voix, je la sens, puis en plus elle me fait des frères qui regardent pas bouquet, quand j'écoute ses musiques non-stop. Okay? Comment dire ça? Probablement peut-être que vous l'avez connue grâce au film Descendant. Elle jouait mal la fille de Maléfique. Elle joue plusieurs films avec Disney, donc ça fait environ peut-être 6 ans, voire 7 ans aujourd'hui qu'elle. Bon, ça fait genre 6 ans qu'elle est avec Disney. Elle a aussi un contrat avec Disney. Donc, allez voir The Cameron. Regardez les films qu'elle a fait. J'ai pas encore fini. Normalement, j'ai encore un petit peu encore. Peut-être un film à regarder qu'elle a fait. Puis peut-être que, ben. Qui sait, un jour, les bords vont se rencontrer. Donc, je peux savoir cette vidéo-là. Donc, Dove, if you still saw this video, you're an amazing girl, you're talented, you have a great talent. Don't give up. On passe à la deuxième fête, évidemment. Donc, je ne lâche pas la pédale. On va là. Sophie Carson. Qui est-elle? Bon, comme Dove Cameron, chanteuse et actrice. Elle aussi, elle a participé au film des... Elle a joué dans le film des trois volets du... Ouais, trois volets des films Descendants.
Elle a joué Evie, la fille, la méchante reine de Blanche-Neige et sept nains. Elle est apparue dans le film, donc un film de Cendrillon, une autre histoire de Cendrillon, six chaussures, et des chaussettes. Pourquoi j'essaie de traduire cette titre-là? Je ne sais pas, pantoute. Évidemment, elle met en œuvre ses chansons, ses musiques, donc elle chante très très bien, sa voix aussi est très forte. Encore une fois, c'est un rêve pour moi de la rencontrer, donc je parle aux Américains parce qu'ils sont tout Américains là-dessus. Évidemment, oui, ils sont tout Américains, donc... Donc, ma femme, j'ai dit Cameron, il a dit Cameron, your talent, your talent, on give up. Ça, oui, en troisième, Bobo Stewart. Donc, évidemment, il a joué aussi dans le descendant, je ne vais pas désolé. Le fils de Jafar, J. Pourquoi j'ai mis lui? Parce que, en étant, je me dis, ben, comme vous le savez aujourd'hui, il a les cheveux longs. Les cheveux longs, il est tatoué. Qu'est-ce que tu veux plus? Okay, des fois, dans la vie, il faut changer, il faut évoluer pour devenir meilleur. Mais est-ce que vous le savez que jouer Seth Clearwater dans Twilight? Moi, je n'étais zéro au courant. Je pensais que c'était d'autres acteurs, mais non, c'est lui. Donc, c'est lui. C'est lui qui a joué Seth Clearwater. Donc, le plus jeune de lui, Yarrow, qui a commencé à jouer dans le film Twilight, dans le troisième volet de la saga, Twilight à l'âge de 16 ans. Le troisième, le quatrième partie 1 et le quatrième partie 2. Et je pense que c'est ça qui a fait popper sa carrière parce qu'aujourd'hui, il est rendu débile. Et je pense que chaque fois que les fans le voient, ils capotent ben raide. Même ceux qui ont pas vu Twilight. Donc, il m'a vu des standards chez moi, puis qui ont vu Twilight, capote, il y a Langer, qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, donc on passe au quatrième. En quatrième position. Cameron Boyce, malheureusement, l'acteur en question est décédé à l'âge de 20 ans. Donc, très très douloureux en fait à prendre, donc ça fait peut-être bientôt 4 mois qu'il est ici. Je voulais le mettre parce que, évidemment, lui aussi a participé à la trilogie du film Descendants. Il joue Carlos, le fils de Cruel Enfer. Ce qu'on a appris de Cameron Boyce, c'était un breakdancer, c'est un bon breakdancer. Il aime beaucoup la danse, donc il pratique ses mouvements. Ceux qui ont ces co-stars, en fait, Robert Gerson, Boosty World, Dove Cameron, sont des tweets trop attristés, surtout Dove Cameron, en fait, parce que c'était l'une d'elles aussi que les abuseurs, mais c'était pas de ma liste. Dove Cameron et d'autres personnes, Jonathan McClane, ont été très attristés, beaucoup très attristés. Plus que je pense, tout le monde est attristé, un peu, eux, ont connu Cameron Boyce. Jonathan McClane, en fait, a connu Cameron Boyce au moment du tournage du film, grande personne. Et Doug Cameron, lors de la série Liv & Maddy, donc il a fait quelques apparitions dans le film, dans la série, puis tout, puis Doug Cameron, pour Cameron, Doug le considérait comme son frère, un ami, quelqu'un avec qui il pouvait se confier en elle. Donc, vous pouvez écrire dans un commentaire si vous aimez les Cameron Boys, si vous aimez aussi que le corps vivant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on passe maintenant au dernier. Excusez-moi. Le dernier, Sabrina Carpenter, évidemment elle a joué avec Sophia Carson dans un film de Babysitter Amateur. Donc, Chandler aussi, elle a participé aussi à une série, My Girls in the World, qui a malheureusement pris fin. Je sais pas. Elle n'a pas participé au Venezuela, donc chance moins. Sinon, je m'aurais trouvé un peu gossant. Donc, les chanteuses, elle a un album, elle a écrit des albums, elle a eu l'album, donc elle en fait encore. Je sais pas en ce moment qu'est-ce qu'elle fait. Donc, ben. J'ai pas grand chose à dire sur elle, je la connais pas tellement, mais écoute, je la connais, mais oui, mais j'ai pas vraiment grand chose à dire. Fait que.
Voilà. Désolé, guys, pour l'éclairage. Donc, c'est un temps qui s'est décopé. Voilà. Donc, il fait noir maintenant. Donc, on continue. Comme vous le voyez déjà, c'est la catégorie chanson. Donc, on a utilisé ce mot-ci. Donc, on commence avec la première musique. Iron Life. Je sais pas si on va le parce que... Une musique que j'ai découvert en facile 2019. Facile 2019 en fait, ouais. Ouais, 2019 parce que je l'ai présenté 2019 en fait. Mais bon, ok. Non mais c'est un truc que il vient de gagner un peu de Donc, bon. High on Life, ouais. Donc, musique, on parle de démons, musique très bonne. J'essaierai de mettre la musique en question sous un fond noir, whatever, je sais pas. Je pense pas. Je pourrais mettre ça de problème. Donc, juste un nom, avec peut-être une photo pour tous, tous les trucs que je vous ai nommés. J'ai découvert quand je vais mettre une petite photo, fait que... J'espère que vous appréciez le montage que j'ai fait avec ça, fait qu'on passe directement au deuxième. Donc deuxième chanson, une chanson de Post Malone, Bel Honneur. Donc la pochette. Je m'en rappelais même plus de cette pochette-là. Donc je pense que peut-être vous la connaissez Bel Honneur, donc je vais essayer de pas faire un gros débriefing là-dessus. Oui, ça m'a fait un petit con. Donc je vais pas faire un gros débriefing là-dessus. Donc vous savez c'est quoi Post Malone, qu'est-ce qu'il fait. Et je vous lance une petite recherche en fait en commentaire pour Post Malone. Selon vous, quel âge a-t-il? Je veux que vous m'écriviez en commentaire. Et si vous êtes capable de me dire en fait quel âge ont ceux que j'ai dit en ce côté artiste, si vous êtes capable de me donner leur âge, vous gagnez. Donc je ne veux pas que vous achetez vos produits sur Google. Je veux que vous estimez via une photo. La photo qui a été prise le plus récent de votre exercice aussi. Donc, malgré la photo, les artistes qui est... quel âge ont-ils? Donc, un petit jeu que je lance depuis et bonne chance pour ça. Alors, même plus que j'en ai... J'en ai 5 chansons. Comme je vois, je sais pas le support. Évidemment, on parle de Motionless in White. Soft. Soft, c'est la chanson Motionless in White. C'est le groupe en question. Groupe de rock assez... pas trash, mais très bon. En fait, c'est une de mes amies qui me envoie ça. Qui me sent une story. J'ai posé la question, c'était quoi? Elle dit, c'est un groupe préféré. C'est mon groupe préféré. Donc, j'ai demandé le nom. Elle m'a donné le nom. J'ai écouté la musique au grand complet. Puis il pourrait, wow boy. Je pensais pas que ce genre de musique allait m'atteindre. Donc, je pense, je sais pas, c'est sûr. Donc, ben voilà, si vous écoutez, envie d'écouter Soft, ben, juste, tu peux entendre arriver la maman. Ah, fais-tu flipper comme le pas possible? Hein? Ah, fais-tu flipper pour pas vrai? Hein? Bon, allez, ça suffit. Passons maintenant à la quatrième. Bon, là j'ai une gueule juste un moment, là, c'est désolé si on le voit. Quatrième chanson en fait, donc c'est Rewrite the Star. C'est, excusez-moi. Rewrite the Star. Souvent tout le monde la connaisse grâce à un film que je vais mentionner dans la prochaine catégorie, parce que oui, la prochaine catégorie c'est film. Donc, vous connaissez un peu Rewrite the Stars. Quel est le style de cette musique-là? Donc, pourquoi j'ai choisi, parce que j'entends pas écouter. C'est une chanson de maman. Donc, tout ce que je vous nomme, c'est ma maman, en fait. Donc, même s'il n'y a pas tout ce qu'il y a, en fait, parce que j'ai connu une dernière, 2019. Petite mention aussi que j'aimerais faire. Toutes les chansons que Duff Cameron a fait,
C'est cover. C'est dans les téléséries, whatever, dans les films. J'y mets là-dedans aussi. Donc, je ne peux pas y chercher non plus. Donc, par ailleurs, vu que j'ai fait mon quatrième, on passe maintenant au cinquième mandarin. Ouais. Je sais pas si vous le savez. Ouais. Donc, comme des chansons en fait, donc. Évidemment, c'est quelqu'un qui a écrit une chanson. Donc, on parle de Waste, Bloodshot et So Good. So Good qui est sorti il y a bientôt 4 heures en fait. Donc, à l'heure où est-ce que je tourne la vidéo, ça fait environ juste depuis ce matin. Minuit ce ma le matin, donc, comment vas-y. Maintenant, parce que vous allez l'avoir, la vidéo, ben, ça fera peut-être plus qu'une journée. Hein? Donc, vous avez calculé ça, allez voir. C'est musique So Good. Si je me trompe pas, c'est ça. J'irai chez Kenny anyway, ou sinon, ben, il y aura un petit écriteau marqué avec la vraie chanson. Donc, vous pourrez aller voir. Bloodshot et Waste. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Petit. Je vous remets 30 secondes. Excusez-moi. Qui donc, où lui encore? Donc, Waste et Bloodshot, ce que je disais, d'après moi, je les ai créés. Et si vous regardez bien les clips vidéo, c'est en noir et blanc. Pourquoi? Ben, parce que elle me présentait que Waste, en fait, donc une phrase qui accroche pas mal, c'est I want waste of all my love on you. Et donc, en gros, c'est part d'amour, whatever. Donc, écoutez mes chansons. Et peut-être que vous allez peut-être vous reconnaître lors d'une situation amoureuse. Peut-être que vous allez vous parler là-dessus. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. On passe à la dernière catégorie. Excusez-moi, j'ai un peu. Donc, vous avez vu dans la dernière catégorie, nous sommes film. Donc, on commence directement avec Ready Player One. Donc, je vous ai dit un peu le topo. 2022, une civilisation en fait crée un monde de jeux de réalité virtuelle. Donc, les jeunes peuvent visiblement rentrer dans le jeu et être un avatar. Sauf qu'une compagnie, en fait, qui ont créé les jeux, veulent le pouvoir. Pour vous donner un patron et pouvoir diriger ce qu'on appelle l'Oasis. Donc, nous avons un personnage qui est joué par Perceval. Il y a Perceval joué par je ne sais plus qui. Et avec d'autres personnes, doivent l'arrêter. Donc, une histoire. C'est le groupe d'avoir, vous voyez, en fait, plein de choses. Donc, maintenant, la Pouchaki, comme je disais, la Pouchaki, la DeLorean. Dans Back to the Future, donc allez voir, regardez le film, normalement. Donc, on passe au deuxième. Le deuxième film, en fait, je parle de Avengers. Donc, les Avengers au complet, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième qui est sorti. Donc, Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3 et Avengers 4. Donc, je sais pas quelle image je vais mettre. Donc, je sais pas si j'ai claqué. En tout cas, moi, vous avez vu, je vois. Parce que, au cas où, si je l'ai pas fait. Donc, vous connaissez un peu l'histoire Marvel. Je n'en ferai pas tout un dérouleur dessus. On passe au troisième. Troisième film, et troisième et avant-dernier film, Midnight Sun. Oh boy. Il y a plusieurs films qui sont même un peu nommés dans le sens. C'est l'histoire d'une fille qui, une jeune adolescente, qui a une maladie rare. Donc, elle ne peut pas s'exposer au soleil. Donc, et elle est attirée par un garçon qu'elle voit par chaque fois qu'elle passe par la traversée, sauf que
Ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé. Donc, c'est quoi le crush, et ils finissent par tomber fou amoureux. Fait que ça vient. Sauf qu'elle lui a pas dit qu'elle avait maladie, donc le gars l'entraîne dans des périples. Et c'est un film à mouchoir. Et oui. Donc les filles qui veulent regarder Ménastan, ou que vous l'avez vu, ceux qui l'ont pas vu, préparez une boîte de mouchoirs. Les filles, si les filles qui me regardent en ce moment, est-ce que vous avez regardé Midnight Sun? Si oui, est-ce que vous avez pleuré? Combien de fois? Est-ce que vous l'avez regardé seul ou accompagné? Parce que votre conseil, Midnight Sun est apparu au cinéma. Donc, il y aura juste un commentaire. Passons au dernier film. Le dernier film, en fait, donc, excusez-moi, le dernier film, non le moindre, The Greatest Showman. Donc, ça se passe dans les années 1900, et c'est un metteur en scène qui veut mettre en avant un cirque. Sauf que quelqu'un d'autre s'est imposé, il vient tout changer l'histoire. Et c'est interprété par trois acteurs que moi je connais bien. Zac Efron, Hugh Jackman. Vous vous souvenez de Hugh Jackman qui joue dans le Wolverine? Ouais. Il est apparu dans le Real Showman et dans une comédie musicale. Pour vrai, il chante très bien. Plus, une personne qu'on connaît aussi que je ne pensais pas qu'elle jouait là-dedans. Zendaya. Zendaya. Vous vous souvenez de Zendaya qui joue dans Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Mais là, il est apparu dans une comédie musicale. Apparemment, il était une acrobatique. Donc, je vais essayer de mettre les images. Si je réussis pas, ben, tant pis. Excuse-moi. Donc, je pense que c'est ce qui conclut cette vidéo. Alors voilà, guys. La vidéo est terminée. Si t'as aimé, like, commente, partage dans la chaîne, c'est gratuit. Dis-moi en commentaire si t'as aimé la nouvelle intro. Mes réseaux sociaux en description, Instagram, Twitter et ma page Facebook. YouTube ou Inu. J'allais dire que j'ai d'autres outils. Je sais pas, en tout cas, whatever. Donc, Inu, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!